Hey, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche aussi. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Profites-en. Salut tout le monde et bienvenue chez Monsieur Bricolage. Non, je déconne, bienvenue sur Road to Desert. Dans ce nouvel épisode, on va parler de ma dernière session d'enduro qui a eu lieu le 7 décembre. Donc, c'était une très belle journée organisée par l'association MQV au profit du Téléthon. Ça se passait à La Chaise-le-Vicomte dans le 85. Donc journée super sympa, la boucle 30 km était vraiment cool. Le seul petit hic, c'était les 300 derniers mètres, plutôt humides. En rentrant à la maison, je me suis dit comment je vais faire sécher mes bottes. Parce qu'il y avait un litre de flotte dans chacune d'elles. Donc bon, je pouvais les poser au coin du feu et attendre une semaine que ça sèche, mais je pense que c'était pas vraiment la meilleure solution. Donc j'ai regardé les systèmes qui étaient vendus dans le commerce. Donc comme celle-ci, ou comme celle-ci. 150 balles là-dedans? Non merci. Alors je suis allé chez Castoche. Et là on va se fabriquer un sèche-botte pour 20 balles. Allez c'est parti et on va essayer de ne pas gâter sa liquette. J'ai acheté des tubes de 40 et puis des éléments. Donc bon bah ça va faire un sèche-botte. On pourrait mettre les deux bottes à l'envers dessus. Voilà, c'est ça l'idée quoi. Première étape et pas des moindres, enlever les étiquettes de merde. Sérieux, 150 balles. 18 euros. Non, magnifique, non, c'est cool. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant sécher mes bottes, sécher mes gants, sécher mes slips, sécher mes pantalons, sécher tout ce qu'il faut sécher. Et voilà. Petit rappel sur le projet, je pars au mois de mars au Maroc pour 7 jours, 2400 km de raid dans le désert. Donc si vous souhaitez soutenir l'aventure, je vous propose plusieurs solutions. Soit l'achat de t-shirt, soit la cagnotte Litchi, les liens sont dans la description, soit même un don à l'association Road to Desert. Et bien entendu, si vous avez une entreprise qui veut sponsoriser le projet, je suis preneur. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien et vos encouragements. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. On se retrouve très rapidement pour la suite de l'aventure. Allez, à très vite les gens.